Khadija Guinée-Condé, avant de vous donner la parole, laissez-moi, n'est-ce pas, de revenir sur ce parcours. Khadija Guinée-Condé a commencé ses études primaires à l'école de Dramé Oumar à Cancan. Après son admission au CEP, elle poursuit sa scolarité secondaire au collège Anmami Samori Touré, où elle obtient le BEPC. Elle étudie ensuite au lycée 2 août, puis au lycée 1er mars à Conakry, où elle obtient le baccalauréat. Madame Condé a commencé ses études universitaires à la faculté des sciences sociales et de la nature Fassona de Donka, avant de s'envoler pour Paris en 1984. L'actuelle première dame de Guinée a poursuivi ses études à l'université de Paris 7 en France. Elle est titulaire d'un master de sciences de l'information et de la communication. Elle possède également un diplôme en sociologie. Madame Condé, est-ce que cela vous ressemble? Oui, la biographie me convient, c'est assez rapprochant. Pourquoi je m'appuie à la formation des enfants? Pourquoi je m'intéresse tant à l'école? Les enfants sont l'avenir et la formation, au lieu de léser, je ne sais quelle richesse à son enfant, mieux vaut bien le former, bien l'éduquer. La parenthèse que j'ouvre, c'est passé le jour de l'investiture. Pourquoi? Je fais le lien avec la formation. Si le protocole Senghor-Kaba de la présidence avait été parfaitement formé, oui, il allait se rendre compte que j'ai été ignorée dans la salle et que je suis l'épouse du président de la République. Ce n'est pas au président de parler de moi, oui, ce n'est pas au président de me remercier parce que ce que je fais pour lui, je le fais pour moi-même. Mais j'aurais dû être présentée par le modérateur, mais j'ai compris que l'erreur était venue de Senghor-Kaba. Je suis dit, je classe, je ferme la parenthèse.